C'est vrai que t'as jamais eu vraiment véritablement de mec, t'as jamais eu véritablement d'histoire d'amour? Et oui, ça choque le monde entier, mais vous Non, savez que moi ça me c'est... choque pas! Ça me choque pas, t'as que 19 ans! Ouais, voilà, mais non, mais même, j'ai l'impression que ça choque beaucoup de monde. J'ai pas été en couple, c'est pas parce que j'ai pas été en couple que je suis vierge, ou c'est pas parce que j'ai pas été en couple que je suis une pute, voilà. Oui, parce C'est... que j'ai vu les tweets passer, Luna est vierge, genre en te montrant du doigt. Alors j'ai trouvé ça désobligeant au possible, que tu sois vierge ou pas, enfin, c'est ton problème quoi. Oui, que je le sois ou pas, et que je me table la moitié de la terre entière aussi, c'est pareil, C'est ça, aussi c'est ton de problème. passer un message à tout le monde. On fait ce qu'on veut. J'ai pas envie d'accueillir. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie d'accueillir un amour chez moi. Si j'ai envie, mais jusqu'à maintenant, les mecs que j'ai trouvés, c'est des mecs qui n'acceptent pas ma relation fusionnelle avec mes amis. Mes amis, je les connais depuis 17 ans. On est des frères et sœurs, on est tout le temps ensemble. On s'appelle tout le temps. On s'est tous vus à poil. C'est comme si c'était vraiment, c'est très fraternel. Et je comprends qu'il y ait des garçons qui ne comprennent pas cette relation-là. Et moi, tant que je trouve pas quelqu'un qui comprend pas ça, je ne serai pas avec. Et puis c'est tout. C'est C'est-à-dire pas difficile. t'as besoin de trouver un amant, un ami, t'as besoin d'une relation complète, quoi. Tu veux trouver le packaging Oui, complet. et je veux que cette personne accepte surtout l'amour que je porte à mes amis. Parce que souvent, ça, c'est très difficile à comprendre. Que moi, j'aime beaucoup plus mes amis que la normale, je crois. T'as l'impression que tu ne peux pas donner 100% de ton temps à quelqu'un amoureusement parlant et être à 100% avec tes amis, c'est ça? Ouais, c'est ça pour l'instant. Pour l'instant. C'est parce que je suis jeune et que voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, mais je pense que ça, c'est un problème de société. Je comprends même pas pourquoi les gens font des débats sur ça. Les gens font ce qu'ils Ça veulent. te saoule tous ces commentaires sur le fait que tu sois célibataire et que t'aies jamais Ben ouais, véritablement eu quelqu'un de grave. sérieux? Ben grave, je fais ce que je veux, et puis même, c'est quoi ce délire de vouloir se mettre en couple à tout prix, à des âges si jeunes. Si ça vous arrive, vous êtes amoureux, c'est tellement mignon. Que ce soit à 14 ans, à 16 ans ou à 35 ans, c'est pareil, mais qu'on ne le soit pas, c'est quoi le Mais problème? est-ce que ça t'empêche de t'amuser avec les garçons? Est-ce que Non, justement, au contraire, moi je m'éclate, et oui, j'ai déjà eu des amoureux avec lesquels je n'ai pas été en couple officiellement, Mais c'était juste. t'as déjà eu des aventures Bien charnelles. sûr que oui, je ne m'en cache pas. Oui, j'ai eu des aventures. Ah, Oui. bah au Mais moins c'est pas parce qu'on tu est fais en couple fermer qu'on la a bouche à des tous ceux aventures. qui disent que tu es vierge. Et d'abord, je tiens à préciser que c'est pas une Je suis tare pas que vierge. d'être vierge. Non, mais grave. Et puis même si j'étais vierge, c'est tout à mon honneur, j'ai envie de dire. Mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Et je ne suis pas non plus une fille qui couche à tout va. Je suis dans un juste milieu, assez normal. C'est juste que je ne me mets pas en couple avec ces Et personnes-là. C'est c'est tout. tout à ton honneur, tu attends de tomber sur la bonne personne, et puis j'ai envie de te dire en même Voilà, temps c'est que ça. tu as le temps, Luna. Luna, rappelle-nous tes réseaux sociaux. Vas-y, c'est à toi. Mon Instagram c'est Luna les anges, mon Snapchat c'est Ginette et Luna, mon Twitter c'est J'adore, je Ginette. fais exprès parce qu'elle a toujours autant de mal à donner ses réseaux sociaux. Ouais, grave, je les connais toujours pas. Mon Twitter c'est Ginette et Luna tiré du bas, Ouais. et mon Facebook c'est Luna Ginette. Eh ben écoute, merci. On t'appelle comment d'ailleurs? Luna ou Luna Ginesté? C'est Luna, moi je m'appelle Luna, mais c'est qu'il y a mon nom de famille parce que c'était mes Oui, anciennes j'ai vu le copines. nom de famille qui apparaissait comme ça maintenant dans les articles. Ah Bon, ouais? Ben oui. c'est Luna, Luna je trouve ça plus stylé. Ah bah ouais, moi aussi je préfère Luna. J'aime aussi Luna Ginesté, c'est très bien, mais Luna, ça fait plus artiste.